Aujourd'hui, on va réagir aux TikTok français les plus drôles. Je sais même pas ce qu'il y aura. Ça se trouve, ça va être extrêmement drôle. Ça se trouve, pas du tout. Ça se trouve, il y aura peut-être un de mes TikTok. Peut-être pas, peut-être un des tiens. Donc, on se pose tranquillement, sortez un petit truc à boire et let's go! Hey les gars, c'est pas j'ai trouvé ça dans la chambre à mon petit frère. Wesh, iPhone 12, cousin. T'es mal à la pomme, c'est même pas une pomme. Wesh, t'es mal à la caméra. En vrai, c'est bien fait, mais juste, c'est pas ça le problème. Jusque-là, tout va. Wesh, c'est les applications et tout. Bien. Google. Google it. Le petit ref, il avait vraiment envie d'avoir un iPhone. Hein. Moi, je vois un mec autant galérer pour avoir un iPhone. Je lui en paye un. Accès autorisé. Merci, bébé. La seule voix féminine qu'il entend. On appelle ça la solitude. Malo. Ta bouche, tiens d'abord, tiens. Oh, comment toi, c'est ça ton problème. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin de ça. Les gens ils fuient tellement la rocale elle a été violente. Là c'est pas soldat à terre, c'est soldat au terre-terre. Il est dans le sous-sol d'un sous-sol mec, c'est pas normal. Oscar ? Ouais ? Danse ou je te tase. Ferme ta gueule avec ta lampe torche. C'est l'air gainé. C'est gainé, c'est gainé. Si je te dis que j'arrive dans 10 minutes et que tu me crois, c'est ton problème. Non mais parce que en fait... Non mais ça c'est vrai les gars, je suis désolé. On a tous deux potes. On a le mec trop en avance et le mec trop en retard. Moi perso je suis team avance en général. Vous êtes dans quelle catégorie? En retard ou à l'heure? C'est quoi cette pub? Attendez mais là il y a un mec qui est derrière la vidéo qui à chaque fois que le produit s'actionne il fait... Mais ça c'est totalement le genre de bruit que font les gens au McDo. Je peux prendre votre commande s'il vous plaît? Alors je voudrais le Big Mac. J'aime pas le marron, j'aime pas, je sais pas comment vous expliquer. J'aime pas le marron. Une claque dans ta gueule, t'aimes ça? Putain, impossible de nous faire chier là, comme ça là. Lui, il a son petit côté kawaii, mais il a surtout son petit côté aigri. Genre vraiment, il est aigri. C'est quoi ça? Les profs, je ramasse les cahiers. Je pensais qu'il pleurait parce que les dessins étaient beaux et qu'il voulait les garder, mais il pleure parce qu'il a fait tous les dessins en stylo, il est baisé frère. Ah là, c'est mort là, non. Toute l'année, ma soeur, elle est là, shine, tout son argent est part dans shine. En plus, dans sa chambre, il y a Scalab de trucs shine. C'est une dinguerie. Toujours, il y a un colis qui vient. Je déteste cette marque. Vraiment, n'achetez pas cette marque. C'est limite de l'esclavage moderne. Ne faites pas ça. J'ai dit à mon pote de venir me chercher pour aller en soirée. Bah, il est où? En vrai, bientôt, ça va être la fin, là, les gars. Les trottinettes électriques commencent à être interdites en France. Hein. La dinguerie. La pizza de la mama. C'est vraiment le pote italien chiant, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment le pote italien. C'est le pote qui croit qu'il est italien qui est chiant. Quand d'un seul coup, t'as une douleur à la poitrine. Ça m'est déjà arrivé en ce moment. Des fois, j'ai des toutes petites douleurs à la poitrine. Et d'un coup, j'ai l'impression que je vais mourir et tout. Donc, j'ai envie de passer une radio de toute la poitrine, tout le corps et tout. Juste pour être sûr de rien avoir. Moi, je suis trop hypochondriaque, les gars. Quoi ça? Une chenille. Y a un cochon qui marche. C'est pas un cochon qui marche, bouffonne, c'est une chenille. J'ai un enfant comme ça, je démissionne. Ça va un peu vite à mon goût là. Que vous pourriez faire attention au bordel de... Attends, il est bizarre ce bus là. Ouais. Il y a un problème là, non? Mais c'est passé un truc, je sais pas. Non, je suis mort. Le film Brooklyn est trop fort. Je suis choqué, c'est trop mignon. Tous les soirs, il reste au bord de la fenêtre. Mais en fait... Quoi? Il a une meuf. Oh, mais c'est trop mignon. C'est des vieux chats de gouttière, mais c'est trop mignon. Pause. Attendez. Voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Si vous voulez rejoindre la liste et passer à la prochaine vidéo, abonnez-vous et activez la cloche maintenant. Et on continue. Fidèle mon ref, j'ai les mains occupées, tu peux m'ouvrir s'il te plaît? Vas-y mon ref. C'est où l'entrée là? Ouais, c'est mieux. Oh le bâtard. Ça c'est une blague, tu l'as fait. Faut vraiment être bien pote avec la personne. Oh là, parce que je viens de me prendre, elle est grave. Mais t'as un parapluie, oh là, bouffonne. Elle est grave, le p*** en crop top. Regardez le temps. Nous à Paris, on a de la pluie 40% de l'année. Où est-ce qu'on s'en plaint? Oui, mais c'est parce qu'on est parisien donc forcément. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fout là? Voilà que le quartier nous a rejoué. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi t'as pris un scooter? C'est le quartier, les gars. Tu peux quitter le quartier, mais le quartier ne te quitte jamais. Est-ce que vous auriez 12 secondes à m'accorder, s'il vous plaît? Ok, d'accord. 12 secondes, c'est précis. Passe sur la route. Ok, c'est bon. 12 secondes, du coup, c'est bon. Ok. Ok, super, bah je vous remercie les filles en tout cas, hein. Passez une bonne journée. Attends, ils lui ont vraiment littéralement accordé 12 secondes. Genre, elles n'ont rien fait pendant 12 secondes. C'est le prank le plus inutile et le plus drôle que j'ai vu aujourd'hui. Je vais faire ça aux gens dans la rue. Bac blanc de philo. Oh non, c'est le copie en plus, vraiment. Pour de vrai? Mec, en plus, c'est le bac et le brevet en ce moment. C'est vrai ça? Genre, tout ça, c'est les copies des élèves? Oh le bordel. Oh non.
Bah en vrai, philosophiquement parlant, c'est pas parce que le vent prend la copie que la copie prend le vent. Vous avez 4 heures. Oh lolo. C'est quoi ça? Quoi? De roue? Dis le caméraman, il sait pas, il va mourir là. Wow. Eh, le drift, il est impressionnant. En fait, c'est la corrida, mais dans les cités. Quand ton lycée crame. Qui a déjà pris l'alarme au lycée? Très au sérieux. Jamais ton lycée crame vraiment. Alors, je dis pas que ça devrait, mais commencez pas à mettre des faux espoirs non plus. 23h10, on est là, on croise Christophe Maé. Il nous a sauvé des cœurs. Il nous a sauvé des condés. C'est dingue. Christophe Maé dans les bacs. Il est défoncé. Mais non, c'est vraiment lui. C'est vraiment... Attendez, ils ont croisé Christophe Maé qui a fait en sorte qu'ils aillent pas en prison et en plus qui est défoncé. Mais ça, c'est une journée, mais il faut la raconter à ses petits enfants. Moi qui attends mon plat au restaurant. La serveuse qui arrive. Oh, c'est horrible quand ça fait ça. C'est le petit jeu de regard en mode ah, c'est pour toi la commande. Non, pas du tout, c'est pour la table d'à côté. Oh là 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 là. Il y a des bouches qu'il faut casser là. Le prof, après que toute la classe ait loupé son contrôle, c'est plutôt lui qui a loupé son contrôle si tout le monde a loupé. J'avoue, les profs, ils ont toujours ce délire, c'est de faire une sorte de situation over-dramatique, en mode... Vraiment comme si on avait créé un crime contre l'humanité. Oula. Elle fait quoi, elle? Elle aime brosser à dents électriques. Bah, y'avait rien de drôle, c'était juste une meuf qui se brosse les dents. Après, c'est drôle de se brosser les dents, moi je suis quelqu'un de très drôle, hein. Je me brosse les dents le matin, le soir. Tellement que j'ai de la chance, regardez-moi ça. Quelqu'un a payé un paquet, mais il est jamais tombé. Y a personne autour. Ça veut dire que la personne est partie, j'estime que je peux l'acheter. Ah oui, tu peux complètement. Je veux pas gagner un, je vais pas en gagner deux, je vais en gagner trois. Quoi? Parce que regardez le deuxième, il est à l'extérieur. Du coup, pour seulement 2 euros, j'en aurai 3. Oula, lui, c'est le genre de mec en cours de maths, il était relou, tu sais. Benoît va dans un distributeur automatique. Un bolos n'a pas réussi à faire tomber son paquet de chips. Mais vu qu'il est accroché à la case E6, est-ce que s'il prend la case E6 et E7, il pourra faire tomber le Kinder Bueno? Imaginez-vous. Ça marche ou pas? Je mets ma carte. Tada. En vrai, même en faisant ça, c'est toujours plus cher qu'au supermarché. Hein. Allez, faites tout tomber. Quoi? Oh non. Oh non, je suis dégoûté. Oh, mais c'est plus la merde, ça strate. Quand dans mes rêves, j'essaie d'échapper à un monstre. Alors, je sais pas si vous avez déjà fait un rêve lucide, mais apparemment, moi, je n'ai pas fait. Hein. Quand tu fais un rêve lucide, tu te vois en fait dedans. Tu sais que tu cours, mais t'échapperas jamais à la bête. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment un bâtard le chauffeur du bus. Quand tu trouves enfin un espace sûr en public pour enlever ton slip de ton cul. En public? Ça va se dessaper? Alors moi ça m'arrive vraiment sur le cul, mais par contre, est-ce que ça arrive beaucoup aux mecs? Je pense que là tous les mecs on est d'accord. Tu sais, des fois, le zboob il part un peu sur le côté. Tu sais, c'est gênant, du coup t'es obligé de le remettre un peu droit. Je sais pas si vous voyez le spy pour les boules quand... Bref, les mecs vous savez. Il fait quoi? Attends, il a essayé de manger du cochon juste pour fuir la police. Ça n'a aucun sens. Le premier que ça soit, c'est une grosse pute. C'est ça les pauvres, c'est ça les pauvres. J'ai été bac pro, je témoigne. C'est vraiment comme ça. Mais il y en a plein qui sont aussi, wesh. Ah non! La prof, elle va serrer. Madame, est-ce que vous avez des devoirs pendant que ce moment? Parce que il y a des élèves qui se plaisent. D'accord, madame. Ça se voit, c'est la prof qui câble trop facilement dans leur école. Mais respectez un peu, ça reste des humains, les gars. Hein. Mets une veste, on dirait qu'elle va buter un mec. De ouf! C'est la Matrix. Elle va esquiver une balle. Il fait quoi, lui? None. Oh! Il l'a planté. Oh, ça va être horrible ça. Regardez. Le goût il doit être dégueulasse. Toi tu perds ta meuf toi. Lui c'est la friendzone qu'il recherche. Le jour où j'ai défait le lacet de Joker. Oh ouais. Mais vous sabotez, attends. Eh, vous êtes des bolos. Vous allez au premier rang, ça veut dire que vous avez fait la queue depuis le matin juste pour lui défaire son lacet pour éventuellement qu'il tombe. Vous êtes pas des fans, vous êtes des saboteurs. Show me a video of you telling me you're drunk without actually telling me you're drunk. Oh il est... Oh, il est bourré. Oh, il est fini. Il est achevé. Il est décédé. Ah. Et son pote, c'est un gros bâtard aussi. Hein. Je fais que rigoler. Le gars, il rampe carrément. Moi qui ai pas écouté le cours et que la prof m'interroge et que je fais style de chercher la réponse. Non.
Je vous jure, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, hein. Même les premiers de la classe, ils l'ont déjà fait. Wesh, qu'on a 3 minutes de retard au lycée. Vous revenez à 9h30. Ça c'est vrai, il fallait vraiment pas être en retard. Après ça dépend vraiment des surveillants, tu vois. Il y a des surveillants en vrai ils te laissaient rentrer aise. Et des surveillants ils étaient beaucoup beaucoup moins commodes. On se croit dans Cars. Oh le kickflip. Il a vraiment fait ça? Il a le droit? Mais lui va se faire virer aise, non? On dirait trop c'est le chat qui hurle. Ouais il écoute. T'as vu les oreilles qu'il avait? Il était à fond dans la combe. Eh ça fume, ils ont bien ralenti ça, y'a personne qui sait, du coup y'a tout le monde qui est en train d'éclater sa voiture. Attendez, regardez. Mais c'est horrible. Faut qu'ils mettent un panneau wesh. Ils ont détruit la moitié des voitures du coin. Lui il a capté tu vois, lui il a vu, il s'est dit c'est quoi ce bambier. Il y en a un qui freine derrière l'autre, mais je vous jure qu'on a qu'une voiture qui passe et qu'il sait pas pour ça. Parce qu'en fait, l'autre bouchon il a mis ça genre vraiment collé. C'est-à-dire, le mec il va lire et en même temps il a pas le temps de freiner. C'est-à-dire, ah oui, c'est vrai. Fait, c'est ça. Voilà. Oh là là. Regardez ce que les gens sont obligés de faire à cause de ce putain d'orage. Wouah! Attends, c'est encore le même endroit que tout à l'heure, vous savez, la meuf là qui s'est enjaillie sur la pluie pendant 40 ans. Elle a dû kiffer le son de la pluie de Orelsan et Stromae. Ah ouais, mais là c'est l'Aqua Boulevard. Faut nager. C'est quoi ça? Ah, elle a perdu une chaussure, du coup elle a mis un gant. Elle a perdu sa chaussure, mais comment elle a fait? Ils lui ont récupéré sa chaussure. Mais comment elle a fait pour perdre sa chaussure à la toute base, quoi? J'espère que vous avez kiffé les TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte TikTok, les gars. Mon compte TikTok, RaytonYT. On se retrouve là-bas. Regardez les autres vidéos que ça fait juste là. Et ciao!